ça pourrait être moi. Comment nous voulons, oui, c'est possible. Bonheur, malheur, plaisir de guerre, déception, joie, l'impleur. Bonjour ma chérie. Bonjour, bonjour, ça va nous beaucoup. Je sais pas, je vais aller. Ok, ça va, je retire mon beau. Une belle femme ne se fâche pas. On vous a dit que j'ai envoyé des belles femmes. C'est juste un rappel, je sais que je suis une belle femme. Madame de grâce, on ne mange pas dans la voiture. Vous avez la voiture. On ne mange pas la voiture. Je ne vais pas vous payer. Madame, ce n'est pas question de paye. Quand vous mangez dans la voiture, là, ça va m'apporter les cafards et les souris et bien d'autres. Je sais que vous, les taxements, vous ne connaissez pas la roue de la laverie. Mais c'est impoli votre façon de manger. Ça ne vous regarde pas. Je mange avec votre bouche. C'est mon problème avec vous. Ça vous regarde. Comme ça, vous êtes tué à te mettre la poule à ce qui ne vous concerne pas. Boss! Bonjour à tous. Bonjour. Chauffeur dans 500. Hein? D'accord, madame. Ok. Allô? Oui, bonjour, je suis en train d'aller à la poste centrale. Qui? Justement, il m'a appelé hier. Il m'a demandé d'envoyer ma contribution pour la cotisation et je lui ai directement dit que je ne peux pas. Oui. Oui, il est inadmissible que nous sommes dans une cotisation de 20 personnes. Il y a seulement 3 personnes qui ont cotisé et je lui ai dit que je ne peux pas. Il est inadmissible. Une cotisation de plus de 20 personnes, c'est seulement 3 personnes qui cotisent, gars. Moi, je ne peux pas envoyer mon argent comme ça. C'est quand même l'argent. On ne blague pas avec ça. Madame, vous n'êtes pas seule au taxi. Vous croyez que vous êtes dans votre chambre? Oui. Excuse-moi, s'il te plaît, je te rappelle. Allô? Hé, hey, maman, il ne te dit pas. Je ne te dis pas ce que le gars-là m'a fait. Ce que le gars là m'a fait aujourd'hui, non. Là où j'attrape le gars là, ce qu'il veut faire au gars là dans Yaoundé, il va confirmer. Non, c'est un sorcier, c'est un marabout, c'est un homme vendu. Ben, il est inadmissible qu'il me prend toute une soirée. Toute une soirée. Je suis dans le taxi comme ça, je ne sais même pas comment je vais faire. Chauffeur, c'est bon pour moi là. Oui. Je cherche à bien garer là. Je dis que le gars là, c'est un vendu. C'est un marabout, un salaud. Laisse ma soeur, je vais bien te raconter ça qu'on va se voir tout à l'heure. Ce gars, vraiment, je n'ai jamais vu un homme comme celui-là. Il est tellement radin avec tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait. Non, non, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas, je connais sa maison, non. J'ai passé la nuit chez lui, non. Ce qu'elle veut monter au gars là dans Yaoundé, non. Il va confirmer. Quoi? C'est ça que tu parles de plus comme ça, hein? Il dit qu'il a tiré au moins 4 coups. Au moins 4 coups. Mais pas du tout là, je laissais. Parce que je croyais qu'après là, il va me donner, il va bien me gérer. Madame, vous ne devez pas déjà descendre. Oui, ma puce. Non, non, attends, je te rappelle. On m'a bien parlé de ça tout à l'heure. Le chauffeur est en train de me mettre mal à l'aise là. Je te rappelle tout de suite. Oui, chauffeur, laissez-moi là. Allô? Mais je te vois pas en route là, tu dois me donner l'argent du taxi. Non, tu es où? C'est comment avec toi? Le chauffeur y a là, nous sommes déjà garés là, je fais comment? Je paye le taxi comment? Ok, dépêche-toi, viens me donner l'argent, je dois payer le taxi. Chauffeur, je suis en train d'attendre la personne qui va venir me donner votre argent. Mais madame, vous n'avez pas pris un taxi dépôt pour nous perdre le temps ainsi? Non mais vous n'êtes pas sérieux. Vous prenez un taxi dépôt.
taxi, vous n'avez pas l'argent. En plus, ce sont toi vous apparaît. De quoi je me mêle? C'est votre taxi. Je me mêle parce que vous êtes en train de me perdre le temps, madame. Madame, vous allez me payer. Mais chauffeur, j'ai demandé combien vous donnez votre argent. Non, je fais comment maintenant? Ok, si vous avez la monnaie de 10 000, prenez, vous changez, vous me donnez. Oui, madame, donnez-moi les 10 000, je vais changer. Hé! Chauffeur! On m'a soutiré dans votre taxi. Le monsieur qui est assis là m'a soutiré. Hé! Hey. Madame, ne commencez même pas. Je suis à peine travailler. Mais chauffeur, je vous dis que le monsieur qui est assis là m'a soutiré. Payez-moi, madame, vous me perdez le temps. Vous êtes sérieuse là? Bon, en plus d'être une menteuse, vous êtes aussi une bandit. À quel moment est-ce que ce monsieur vous a soutiré alors que vous vous inquiétez sur vos cuisses? Madame, j'ai dit de vous mêler de ce qui vous regarde. C'est votre voiture? Je me mêle, madame. C'est votre taxi? Vous me perdez le temps depuis. Comme ça que vous êtes en train d'acheter les problèmes. Ouais, chauffeur, pardon. Ça, c'est la malhonnêteté. Je veux mon argent. Ou bien vous me donnez votre téléphone en gage. Je vais partir. Je suis allé travailler. Chauffeur, je ne peux pas vous donner mon téléphone. Mon téléphone coûte énormément cher. C'est votre problème, madame. Je n'ai que foutre. Payez-moi, je pars. Je veux quelque chose en gage, madame. Je vais partir. Ma groumette, ça peut aller. Mais donnez. Ça m'a coûté 10 000. Hein. Je n'ai pas acheté ça n'importe où. Donnez-moi, madame. Et ça, savoir si c'est le bon. Ça m'a coûté 10 000. Hein. Je vois sûr que c'est le bon. Ça peut quand même compenser 500. Bon, descendez ou partez. C'est vous qui me mangez. Oui, dans alors la voiture, c'est vous qui oui, ma puce. Je viens de prendre un dépôt bien comme ça. Bien quoi que voilà, femme. Je suis à la maison, j'ai pris un dépôt, oui. Elles sont toujours comme ça. Uh-huh. Tu les vois bien habillées, tu les respectes alors qu'elles n'ont rien dans la tête. Passe le temps en attente. Elle va rencontrer un autre taximan qui va lui faire ça dur. Elle croit qu'elle va rencontrer tous les gars aussi comme moi. Elle n'avait même pas l'argent. Mais j'ai vu son portefeuille quand elle a d'abord ouvert pour prendre le téléphone. Il n'y avait rien dedans, même pas 100 francs. Puisqu'elle accuse le monsieur de tout. Je suis sûre que si le monsieur était là, il allait d'abord gifler. Oui.